Je suis trop forte à ce jeu. Il est vraiment trop simple. Jenna, c'est les vacances, tu ne veux pas sortir dehors? Tu es sur cet ordinateur toute la journée. Mais papa, moi j'aime bien jouer. C'est ma passion. Toutes les filles de ton âge, elles vont dehors, elles font du shopping, elles font les boutiques, elles s'appellent. Mais pourquoi tu restes à la maison? Le shopping, c'est grave ennuyant. Et puis, regardez, j'ai tout ce qu'il me faut. On habite dans une belle maison, j'ai toutes les affaires que je veux, j'ai le meilleur ordinateur qu'on puisse m'acheter. Je vois pas pourquoi j'irais faire du shopping. Et puis, vous avez pas peur de tous ces gens chelous là qu'il y a dehors en ville? Jenna, la seule personne chelou de Brookhaven, c'est bien toi. Toute ton école le dit. Tu ne veux pas changer de réputation pour la rentrée et être ouverte à tous les autres et te faire des amis. J'ai entendu parler des jeunes qui se réunissent dans le parc toutes les fins d'après-midi, ça te dirait pas d'aller les rejoindre? Mais c'est trop la honte, papa. Et puis je t'ai déjà dit, moi j'ai pas besoin d'amis. De toute façon, les gens qui sont à mon école, ils sont tous, c'est tous des crétins. Moi j'aime bien être seule, je veux pas être avec des gens comme eux. Et en plus, ils parlent tout le temps dans mon dos. Moi j'ai pas envie d'avoir des gens hypocrites à côté de moi. Bon, d'accord, Jenna, mais on a quand même quelque chose d'important à t'annoncer avec ton père. Ça dépend. Si c'est pour me dire qu'on déménage, il n'y a pas de problème. Par contre, me dites pas que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur, j'en veux pas. Non, 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 rien à voir avec ça, quoique on pourrait peut-être y réfléchir, mais... Non, c'est par rapport aux vacances. Tu sais que ta mère et moi, on voudrait passer un petit peu de temps ensemble. Et c'est pour cela qu'on a décidé de t'envoyer dans une colonie de vacances. Tu peux annuler la réservation, hein. C'est pas comme si vous étiez déjà tout le temps seul, hein. Je suis tout le temps dans ma chambre, c'est comme si j'étais pas là. Et puis encore mieux. T'inquiète, je sais me faire à manger, je sais me laver, il y a pas de problème. Et donc, vous pouvez passer votre temps ensemble, vous ne me verrez même pas si vous voulez. Vous pouvez même partir en vacances tous les deux, me laisser ici. Je me démerde toute seule, c'est pas grave. Chérie Jenna, c'était pas vraiment une question. C'est comme ça tu vas aller te faire des amis dans cette colonie de vacances. D'accord ma chérie, tu peux déjà préparer tes affaires, on t'emmène ce soir à l'aéroport. Non maman, dis-moi c'est une blague, c'est vraiment une blague, non vous allez pas faire ça, je veux pas, ok non, je veux pas. Nous sommes tes parents, tu ne peux que nous écouter donc tu vas aller, que tu le veuilles ou non. On a toujours été très ouverts avec toi, on a toujours accepté tes décisions. On t'a épaulé dans tout ce que tu voulais faire, fais-nous plaisir au moins une fois et va là-haut, ce n'est qu'une semaine, d'accord? Et après quand tu reviendras tout le reste des vacances, tu pourras faire tout ce que tu veux. C'est pas comme si j'avais vraiment le choix. Ok, je préparais mes affaires, mais bon, quand je vais rentrer de là-haut, si ça m'a pas plu, vous allez voir, je vais vous faire passer d'horribles vacances. D'accord, mais prépare-toi. Comme tu vois, il commence déjà à faire nuit. On va bientôt y aller. Par contre, je vous préviens. J'embarque mon ordinateur avec moi. Ok, Jenna, prépare-toi. Je n'aime vraiment pas être comme ça avec elle. Je la soutiens énormément et je la comprends. J'étais pareil qu'elle dans ma jeunesse. Je n'avais pas d'amis et je passais mon temps sur mes appareils électroniques. Ce qui m'a permis aujourd'hui d'être la personne que je suis. Et j'en suis très fière. J'ai pu te rencontrer et faire ma famille. Tu étais vraiment la personne... tu es vraiment une personne que j'aime. Je sais, chérie. Et si je t'ai vue la première fois, dès que je t'ai vue, je suis tombée amoureuse. Comme quoi, des fois, les personnes peuvent très bien se faire des amis aussi, mais ça viendra avec le temps. Notre fille, c'est une geek, mais c'est pas grave. Et puis en plus, je suis sûre qu'elle va adorer une fois qu'elle sera sur place. Ça, c'est sûr, je suis sûre qu'elle va adorer, puisque dans tous les cas, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle ne va pas dans une colonie de vacances, mais elle va dans une convention geek sur une semaine. Alors, je sais pas du tout ce que ça veut dire et ce que c'est, mais si tu le dis et que tu sais que ça va lui faire plaisir, mais pourquoi on lui a pas dit tout simplement ce que c'était? Au moins, elle nous aurait pas tiré la tête. Si on lui avait dit cela, ce ne serait plus une surprise. Tu as raison, chérie, le résultat sera encore meilleur. J'ai hâte qu'elle nous appelle une fois arrivée sur place quand elle se rendra compte de là où elle est. Ah, moi aussi, je peux te dire que j'aurais moi-même aimé aller à cette convention de jeux vidéo, mais bon, en plus, elle a son entrée VIP avec
avec accès priorité à tous les stands, elle pourra essayer toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles consoles, les nouveaux jeux, elle pourra clairement tout faire, elle pourra approcher les grosses têtes des entreprises, elle a une de ses chances, c'est vraiment incroyable et tout ça, parce que ben, grâce à mon entreprise et à mon renom, elle peut y avoir accès. Tu penses qu'elle a fini de se préparer là ? On va quand même aller vérifier, pas qu'elle rate, qu'elle rate l'avion. Je vais aller voir. Alors chérie, elle arrive, on va être en retard. Non, je ne la vois toujours pas, mais je crois que je l'entends descendre les escaliers. Ouais, c'est bon, je vous entends, je suis là. Par contre, je ne suis toujours pas d'accord, je ne veux pas y aller. Chérie, ta mère nous attend déjà dans la voiture, il est l'heure d'y aller. Et puis, maintenant on ne peut plus annuler de toute manière, alors s'il te plaît, sois compréhensive avec tes parents, tes vieux parents, d'accord? Mets ta valise dans la voiture et on y va. Bon, d'accord, papa. C'est vraiment pas cool, cela dit. Je tiens quand même à le dire. Je suis sûre que ça va te plaire, Gina. On va y aller maintenant. Me plaire? Non, je crois pas, non. Mais bien essayé, papa. Bon, moi, j'ai pris mon ordinateur, donc... J'espère qu'ils ont une bonne connexion sur place. Ben, comment te dire que comme il y a beaucoup d'arbres et de feuillage, et ben, il n'y a pas vraiment de réseau. Je crois qu'ils ont encore, tu sais, les vieux téléphones là où il faut appuyer dessus et ça fait un bruit bizarre de bip bip. Quoi, t'es en train de me dire qu'ils ont un téléphone morse, maman? Non. Ah non, si. Papa, recule, reviens en arrière, on rentre à la maison, je ne veux pas y aller. Mais non, chérie, ta mère plaisante. Bien sûr qu'ils ont quand même du réseau, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir t'amuser au moins avec ton ordinateur, mais je suis sûre que ça te laissera le temps de te faire des amis. J'ai déjà essayé de me faire des amis et je me suis rendu compte en fait que c'était pas ouf et que non, ça ne m'intéressait pas finalement. Mais il y aura peut-être des personnes qui aiment les mêmes choses que toi. Et tu te feras des amis avec les mêmes passions. Ah, attention chérie, la dodane. Ne t'inquiète pas, je l'avais remarqué. On est bientôt arrivés. Les seules personnes qui sont comme moi, je les rencontre sur internet. Et on va dire qu'ils sont tous à l'opposé de là où j'habite. Donc franchement, il y a tellement d'habitants sur Terre que quand je joue avec quelqu'un, il habite toujours à l'autre bout de la planète. Ce qui est bien dommage, mais c'est vrai que j'aimerais bien rencontrer des gens comme moi, ça c'est sûr. C'est bon, on arrive. Tu as tout ce qu'il te faut, les billets, t'as pris ta carte bancaire, ta carte d'identité, tout ce qu'il faut. Oui, papa, j'ai tout ce qu'il me faut, sauf ma valise qui est dans le coffre. Let's go. Bon, papa, maman, je vous remercie clairement pas. Je sais que vous pensez bien faire en m'envoyant là-haut, en espérant que je me fasse des amis. Mais impossible, mais bon, je vous en veux pas au final. J'espère bien ma chérie, mais tu vas voir, tu vas super bien t'amuser. C'est pas que je veux raccourcir nos au revoir, mais il va falloir que tu ailles Jenna puisque ton avion va partir bientôt. Dépêche-toi, je te fais bisous. Ouais, bisous ma fille, amuse-toi bien. Tu me donnes des nouvelles une fois que t'es sur place, hein. Va y avoir une personne avec une pancarte dès que t'arrives. Il va t'attendre pour pouvoir te récupérer. A plus Jenna. Ah non, mais ils partent comme ça. Mais en fait, ils voulaient juste se débarrasser de moi. Ils partent, mais genre tellement vite. Je suis sûre qu'en fait, ils vont partir en vacances sans moi dans un endroit super bien au lieu de me laisser à la maison. Oh, ah, les parents, je vous jure. C'est pas ouf. Attends, mais c'est toi, Josh? Ah bah tiens, Jenna, mais qu'est-ce que tu fais là? Fallait que je tombe sur toi, tiens. Et comment ça que t'es ici? Pourquoi t'es habillée comme ça? T'es jamais habillée comme ça? T'es tout le temps en jeans troué? Ouais, en fait, je travaille ici pendant les vacances, tu sais, pour me faire un petit peu d'argent de côté. Parce que, tu sais, ma caravane, elle est inondée là actuellement. Et mes parents, ils veulent que j'en rachète une. Et tes parents, ils travaillent pas? Bah non, pourquoi ils travailleraient? C'est bon, j'abandonne, c'est pas grave. Bah c'est cool que tu sois là du coup, parce qu'en fait, j'aurais une question à te poser, vu que tu travailles ici. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute. Je voulais savoir si c'était possible que j'échange mon billet d'avion là. Tu as pas une destination qui est super cool à laquelle je pourrais y aller? Là, maintenant, là, tout de suite, tu veux changer de vol. Et tu voudrais le prendre quand? Demain? Après-demain? Ah non, hein. Moi, c'est pour là maintenant tout de suite qu'il faut que je prenne un avion. Ben, si tu veux, j'ai un vol qui part en Pologne là tout à l'heure, dans même pas une heure si ça te dit.
Ouais, ça, je veux bien ça. Ok, on fait comme ça? Vas-y, viens, je te fais ça tout de suite. Ah, bah tiens, le vol pour la Californie, il a crashé. C'est pas grave. Attends, quoi? Tu viens de me dire qu'il y a un avion qui vient de crasher? Ouais, mais ça arrive souvent, t'inquiète pas. Alors, pour la Pologne, c'est juste là. Et tiens, voici ton ticket. Merci, Josh. Je vais aller prendre mon vol. Mon plan va fonctionner. Je vais appeler maintenant mes parents et je vais leur dire que je me suis trompée d'avion. Comme ça, ils pourront pas m'engueuler. Je leur dirai que j'ai pas fait exprès, comme ils sont trop gentils. Ils vont me dire c'est pas grave. Et soit ils vont me trouver un hôtel de luxe en Pologne pour que je puisse y aller le temps que je reste un petit peu en Pologne. Ou bien ils vont me faire revenir. Mais comme je vais rater le camping là, la colonie de vacances là dans la forêt, au moins je vais pouvoir soit rester à la maison et ça va être cool. Bon, maintenant je vais les appeler. Je suis trop forte pour faire des plans. Allô? Papa? Ouais, il y a un peu de turbulence. Je crois que je suis pas censée appeler au téléphone pendant que je suis dans l'avion. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, oui, l'avion est à moitié vide. Enfin, il est clairement vide en même temps. Qui part en Pologne? Quoi? Comment ça? Ah oui. En parlant de ça, effectivement, je me suis trompée d'avion. Malheureusement, je suis rentrée dans le mauvais. Oh, en même temps, tu me diras, c'est pas comme s'il y avait qu'un seul avion sur le bitume, hein. Ah. Ouais, bon ouais. Quoi? Attends, je rêve, vous êtes en train de me dire que la colonie c'était un prank et qu'en fait j'allais partir à la plus grande convention geek de toute la planète? Mais pourquoi vous me l'avez pas dit?